se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet que je n'ai pas abordé à proprement parler depuis plusieurs années sur ma chaîne. Si tu me suis depuis un certain temps, tu as sûrement déjà vu cette vidéo-ci, ou encore cette vidéo-ci, ou encore cette playlist. Bref, de manière générale sur ma chaîne, il y a un sujet assez récurrent qui revient, que ce soit en sous-texte ou que ce soit de façon explicite, qui est celui de l'amour. Personnellement, moi, l'amour, c'est vraiment au centre de la majorité de tout ce que j'entreprends dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle comme dans mon engagement politique, et ce depuis plusieurs années. Je trouve que l'amour est littéralement au centre de la majorité de mes démarches, et que, enfin, moi je le vois dans les associations, dans les manifs, dans les réunions, dans les collectifs, enfin bref, pour moi c'est omniprésent en fait cet amour. C'est juste que il a une forme particulière, on le définit pas pareil, bref. Et du coup, je trouve vraiment qu'il y a des vraies conversations à avoir sur qu'est-ce qu'on met, en fait, comme définition derrière l'amour, en quoi ça a une vraie valeur politique, en quoi c'est un vrai sujet, en fait, et c'est pas un truc duquel il faudrait rire ou prendre à la légère ou quoi. Mais avant de pouvoir décortiquer et déconstruire tout ça, j'aimerais remercier le sponsor du jour, qui n'est autre que la marque Dreams, que je t'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Merci infiniment à cette marque de me refaire confiance, parce que vraiment les produits sont pépitesques et je suis ravie de pouvoir t'en faire profiter, donc j'espère que ça va t'intéresser. Dreams est une marque qui propose des produits en soie 100% naturels, notamment des têtes d'oreiller, mais aussi des chouchous pour les cheveux, des petits bandeaux pour se cacher les yeux, et j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de tester leurs produits. Ça fait quelques mois maintenant que je dors avec les premières têtes d'oreiller qui m'ont été envoyées, et je ne peux absolument plus m'en passer, au point que je les transporte avec moi quand je ne dors pas chez moi, puisque le problème d'endormissement est assez récurrent. J'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos ces dernières années. C'est un vrai sujet pour moi de mal dormir, et c'est en lien avec tous mes troubles mentaux, les traumas, etc. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, j'étais pas au courant en fait que littéralement le tissu sur lequel on dort peut sensiblement changer l'endormissement et la qualité de notre sommeil. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise, puisque à nouveau, comme tu le sais probablement si tu suis mes vidéos depuis longtemps, pour moi c'est vraiment un enjeu assez central que de réussir à dormir. Je vois effectivement déjà non seulement la différence sur l'endormissement et le fait que je me réveille mille fois dans la nuit et que du coup je me rendors plus facilement quand je peux frotter mon visage sur cette merveille de douceur, parce que mais tu te rends pas compte, vraiment, c'est délicieux. Mais donc déjà il y a cet aspect là, et en plus de ça, bah il y a le fait que ça protège les cheveux. Moi qui avais des problèmes de chute de cheveux, alors j'en ai toujours à cause du stress, de l'angoisse, etc., je vois que ils sont moins cassés qu'avant, qu'ils sont plus brillants, et j'ai pas pu constater de changement sur ma peau parce que j'ai la chance de pas trop avoir de soucis de peau, mais j'ai pu voir des avis sur le site qui parlaient aussi des bienfaits sur toutes les petites je sais pas comment on appelle ça, mais les problèmes qu'on peut rencontrer à ce niveau là honnêtement, je suis vraiment à 1000% satisfaite de ces produits, et j'ai envie d'en acheter plein pour en offrir à plein de gens, parce que je veux que les gens sachent ce que ça fait de pouvoir dormir dedans, et je trouve honnêtement que ça fait vraiment du bien en fait. Donc non seulement c'est très très doux, juste parce que la soie est de fait très très douce, anti-frottement comme je l'ai expliqué, antibactérienne naturellement aussi. Donc franchement, si t'as l'occasion de tester et de profiter du coup de mon code promo qui est Carolina40, qui t'offrira moins 40% sur tout le site ainsi que la livraison offerte, et ben je t'invite à tester et à me dire du coup si ça a fait la même chose pour toi. Si t'as pu déjà tenter d'utiliser ces produits avec le précédent partenariat, bah fais-le nous savoir ici de ce que t'en as pensé. Mais moi vraiment, genre vraiment Dreams, merci quoi. On fait ça autant de fois que vous voulez. Dans la description, tu trouveras un lien qui te mènera directement sur le site officiel de Dreams, et tu verras, il y a plusieurs couleurs de tissus disponibles. Je n'ai pas vu d'autres couleurs que noir, blanc et beige pour l'instant, mais écoute, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est déjà largement suffisant. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me faire un retour si tu as eu l'occasion de les tester. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo en lisant un petit passage de ce merveilleux bouquin qui s'appelle À propos d'amour de Bell Hooks. Alors, je dis que c'est un merveilleux bouquin, je ne l'ai pas lu, mais je sais ce qu'il contient, et je sais que je vais le lire un jour et qu'il va forcément résonner avec toutes les petites cellules de mon corps. Mais j'ai eu l'occasion de le commencer, et je pense que les deux premières pages sont très à propos par rapport à ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Lorsque j'étais enfant, il était clair pour moi que la vie ne valait pas la peine d'être vécue sans amour. J'aimerais pouvoir raconter que j'ai pris conscience de ce fait grâce à l'amour que j'ai éprouvé dans ma vie. Mais c'est le manque d'amour qui m'en a fait comprendre toute l'importance. J'étais la première fille de mon père. À ma naissance, on a pris soin de moi. On m'a chérie tendrement et fait sentir que ma présence était désirée sur cette terre et dans ma maison.
Aujourd'hui encore, je ne me souviens pas quand ce sentiment d'être aimée m'a quittée. Je sais seulement qu'un jour, je ne fus plus précieuse. Ceux et celles qui m'avaient aimée au début se sont détournés de moi. L'absence de reconnaissance et de considération a alors transpercé mon cœur, qui fut si profondément brisé que j'en suis restée stupéfaite. Le chagrin et la tristesse m'ont envahie. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Et rien de ce que j'ai pu tenter n'a arrangé les choses. Aucun autre lien n'a soulagé la douleur de cet abandon originel, de cette première exclusion du paradis qu'est l'amour. Pendant des années, j'ai vécu ma vie en suspens, piégée dans le passé, incapable d'aller de l'avant. Comme tout enfant blessé, je ne songeais qu'à remonter le temps pour retourner dans ce paradis, à cette époque dont il me reste un souvenir ravissant, où je me sentais aimée, où j'avais le sentiment d'être à ma place. On ne peut jamais revenir en arrière, je le sais maintenant. On ne peut qu'aller de l'avant. On peut trouver cet amour qui nous tient à cœur, mais pas avant d'avoir laissé derrière soi le chagrin que nous cause l'amour perdu il y a longtemps, alors que nous étions petits, petites, et que nous n'étions pas en mesure d'exprimer ce que nous avions sur le cœur. Toutes ces années de ma vie où j'ai cru chercher l'amour, j'ai découvert, rétrospectivement, que je ne faisais qu'essayer de récupérer ce qui avait été perdu, de retourner à mon premier foyer, de retrouver le ravissement du premier amour. Je n'étais pas vraiment prête à aimer, ni à être aimée au présent. J'étais encore en deuil, obsédée par une enfance au cœur brisé, accrochée à des liens rompus. Lorsque ce deuil a cessé, j'ai pu aimer à nouveau. Je me suis réveillée de mon état de transe et j'ai été stupéfaite de constater que le monde dans lequel je vivais, le monde du présent, n'était plus ouvert à l'amour. Autour de moi, remarquai-je, tout signalait que le manque d'amour régnait désormais. À voir notre pays se détourner de l'amour, je fus frappée avec la même intensité que lorsque le sentiment d'être aimée m'a quittée pendant mon enfance. En se détournant de l'amour, on court le risque de s'enfoncer dans un désert spirituel si profond qu'on pourrait ne retrouver le chemin qui nous ramènerait chez nous. Si j'écris sur l'amour, c'est à la fois pour témoigner du danger de ce processus et pour défendre l'idée d'un retour à l'amour. Parce qu'il rachète et répare. L'amour nous ramène à la promesse de la vie éternelle. C'est en aimant que notre cœur s'exprime. Alors, je n'ai lu que ce passage du livre. Je l'ai refermé et je comptais le rendre à la personne qui me l'avait prêté parce que j'ai su que ce bouquin allait parler de quelque chose dont j'avais terriblement besoin. Donc, je t'en ferai une revue probablement à la rentrée une fois que je l'aurai lu entièrement. Mais ce que je retiens de ce passage, c'est quelque chose que j'observe moi tous les jours dans le cadre de mon travail avec les enfants. Je travaille en milieu scolaire en tant qu'animatrice et donc je passe pas mal de temps avec des enfants tous les jours. Et l'expérience que je vis avec eux me bouleverse énormément. J'en ai parlé dans cette vidéo, j'en ai parlé aussi dans cette vidéo, j'en ai parlé aussi dans cette vidéo. Bref, tout ça pour dire que dans mon cheminement en termes de compréhension du monde qui m'entoure, en termes d'engagement politique, en termes de militantisme et tout, le fait de côtoyer des enfants a vraiment remis l'église au centre du village. En très gros, comme j'en parle dans cette vidéo, je suis désolée, vraiment là je te fais le répertoire de toutes mes dernières vidéos, mais c'est juste parce que en fait elles se répondent les unes les autres, donc il faut suivre un peu le contexte dans lequel je les fais et pourquoi j'exprime les choses comme ça. Mais en gros, ce que je dis dans cette dernière vidéo qui s'appelle « J'ai une théorie », c'est que depuis que je côtoie les enfants, ça m'a paru absolument évident que la lutte contre les discriminations sociales en général, quelles qu'elles soient, ne pourra jamais se faire si on prend pas vraiment en considération de façon extrêmement sérieuse le rapport que les adultes ont avec les enfants en général. Il est impossible de créer une société dans laquelle des générations entières de personnes sont conscientes des rapports de pouvoir et des rapports de domination existants dans les structures si ces mêmes générations ont vécu les 10-20 premières années de leur vie dans un contexte qui normalise le fait qu'on parle mal aux enfants, le fait qu'on ne les écoute pas, le fait qu'on considère que leur avis n'a pas d'importance, le fait qu'on fasse comme si n'était pas là en fait dans la vie de tous les jours, le fait que on se permette tout simplement d'avoir des attitudes avec eux que l'on n'aurait jamais avec les adultes. Observer la façon dont les adultes s'adressent aux enfants, comment ils les traitent, comment ils leur parlent, comment ils les écoutent ou ne les écoutent pas, et transposer ce comportement à d'autres adultes, vous comprendrez tout de suite à quel point c'est irrespectueux et littéralement déshumanisant en fait. C'est pas parce que ce sont des enfants que du coup ils se rendent pas compte qu'en fait on en a rien à faire de ce qu'ils racontent, qu'on est contradictoire, qu'on se trompe, qu'on est défaillant. Enfin, les enfants sont très sensibles et ils ont déjà une forme de compréhension de ce qui les entoure qui est très fine, mais comme personne ne s'y intéresse, et ben tout le monde considère que de toute façon ils vont grandir, ils vont oublier ce qui leur arrive. De toute façon, nous, quand on était petits, on était pareil, et puis ça nous a pas tués d'avoir un, deux ou trois traumas en trop. Bref, tout ça pour dire que vraiment, mon rapport aux enfants a révolutionné totalement mon militantisme, mon approche, en fait, de ces questions-là de manière générale, et même juste la nécessité absolue de pédagogie dans ces démarches-là, puisque... En fait,
quand tu observes des gamins de 7 ans entre eux interagir, ben, tu te rends compte qu'il y a des adultes littéralement de 30 ans de plus qui raisonnent pareil sur certains sujets. On dirait qu'ils n'ont jamais grandi. Et forcément, après, quand tu côtoies des adultes et que tu sais comment les enfants raisonnent, tu ne peux pas t'empêcher de les voir comme juste des gens extrêmement ignorants et extrêmement immatures. Alors, ce n'est pas pour les excuser, hein, ce n'est pas pour dire « personne ne se rend compte de ce qu'il fait, les pauvres fascistes, on va les caresser dans le sens du poil et on va les traiter comme des petites choses qui n'ont rien compris ». Ce n'est pas ce que je dis, je parle vraiment purement et simplement d'immaturité profonde. La différence entre des adultes et des enfants, c'est que les adultes, techniquement, sont censés être en capacité de pouvoir devenir mature sur certains aspects. Pour ça, il faut avoir des ressources, il faut avoir des outils, il faut avoir un cadre qui nous le permette. Et les populations minorisées sont privées et carencées de ce cadre, ce qui fait qu'elles sont constamment réduites à un stade de minorité au sens propre. Par exemple, une personne migrante qui arrive sur un territoire qui n'a pas les papiers, elle va avoir moins de droits à l'image d'un enfant mineur, par exemple. Il y a encore quelques décennies, une femme en Europe passait de la tutelle de son père à la tutelle de son mari parce que les femmes n'avaient pas de statut juridique équivalent à celui des hommes. En tout cas, elles n'avaient pas les mêmes droits, elles n'avaient pas les mêmes accès à la société, etc. Pareil, hein, on peut prendre l'exemple de l'époque de l'esclavage. Le statut d'esclave, c'est même pas un statut de minorité, c'est un statut d'objet, quoi. Genre, bref, l'idée qu'il y a des êtres qui ont les pleins pouvoirs et d'autres qui en ont pas, finalement, ça repose sur une question de majorité et de minorité au sens propre. Il y a certaines populations que l'on va considérer comme étant dignes d'avoir tous ces droits, et d'autres populations que l'on ne va jamais considérer comme étant dignes d'avoir ces droits, et donc qu'on va constamment infantiliser, et qu'on va constamment renvoyer à leur statut de dépendance. Vous ne pouvez pas, les peuples autochtones, vivre sans le savoir civilisationnel colonial. Vous ne pouvez pas, vous, femmes hystériques, vivre sans l'intelligence masculine. Vous ne pouvez pas, vous, personnes malades et handicapées, vivre sans les cadres et les structures que les personnes valides imposent dans la société. Les pauvres ne peuvent pas avoir de l'argent entre les mains parce que forcément ils en feraient de la merde et donc ils ont besoin que les riches, eux, décident à leur place de comment ils vont utiliser leur argent et de pourquoi ils doivent utiliser cet argent, etc. Donc vraiment, ces rapports de domination sont partout et la forme la plus perceptible, je trouve, la plus palpable et la plus obvious que l'on peut observer dans son quotidien, c'est vraiment le rapport qu'il y a entre les adultes et les enfants. Alors tu vas me dire, quel est le rapport avec l'amour ? Eh ben justement parce que quand tu les côtoies, tu vois qu'à cet âge, pareil, il y en a qui croient encore au Père Noël et il y en a d'autres qui ont déjà compris que ça n'existait pas. Et il y en a qui n'y ont jamais cru juste parce que c'est pas du tout dans leur code culturel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des croyances en certains mythes et certaines légendes qui vont un jour s'effondrer violemment comme celui du Père Noël. Sauf que à un enfant de 7 ans, on n'explique pas qu'il y a d'autres mythes qui vont se péter la gueule au fur et à mesure de sa vie, sachant que probablement que ces gamins ont déjà plein de choses qui se sont effondrées dans leur imaginaire, comme par exemple le mythe de la méritocratie, le mythe que le monde repose sur des bases justes, universalistes et humaines, le mythe que l'amour avec un grand A, c'est celui que représentent papa et maman, alors que papa et maman s'en mettent plein la gueule tous les jours et se détestent, mais c'est ça l'amour du coup, c'est comme ça qu'on grandit, c'est avec cette légende-là. Et justement à propos de ce mythe très précis, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que il est impossible de pouvoir s'épanouir dans une société, de se sentir à sa place intégrée, de tisser des liens sociaux épanouissants, etc., si on détruit dès le départ l'amour propre d'un enfant. Aussi simple que ça, en fait. Je le vois. Je constate déjà, alors qu'ils n'ont que 7 ans, je vois déjà ceux qui ont un bagage solide, parce que peut-être les parents, autre chose, peu importe, mais il y en a vraiment qui ont un rapport à eux-mêmes qui est déjà plutôt sain, c'est-à-dire ils vont déjà avoir une notion de quels sont leurs besoins, quelles sont leurs limites, comment s'exprimer par rapport à ça, et tu vois qu'il y a d'autres enfants qui sont complètement carencé sur ce point, à qui on ne donne aucun outil de self-love, tout simplement, aucun outil de valorisation personnelle, probablement parce que c'est des enfants qui sont déjà visés par des discriminations. Et c'est assez fou de voir que si jeunes déjà,
Ben, tu vois la différence entre des gamins qui parlent déjà d'eux-mêmes en des termes très négatifs, qui ont déjà cette hostilité totale pour les adultes. En fait, il y a des gamins, tu les appelles et systématiquement ils disent j'ai fait quoi, j'ai fait quoi. Ils se sentent déjà agressés, etc. Et tu vois qu'il y en a d'autres ben, qui ont beaucoup plus accès à cette empathie naturelle et donc à cette empathie qui permet de tisser du lien. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Si vraiment on revient à la base très primitive de la chose, on essaye vraiment d'aller dans l'essence des mécanismes humains. T'es un bébé, tu vois, t'arrives sur Terre. A priori, t'es pas au courant que t'es un être à part entière. Genre juste, tu dépends du reste du monde, donc t'es dans un rapport fusionnel à l'extérieur. Tu vois, le dedans et le dehors, il n'y a pas de différence. Et donc t'es dans une forme, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, une forme d'amour, puisque par définition, un bébé, pour survivre, il doit interpréter que tout ce qui se passe autour de lui est de l'ordre de l'amour. Forcément, si un parent te frappe, toi, dans ton cerveau d'enfant, tu peux pas interpréter que ça c'est du désamour. Tu n'es pas en capacité de le comprendre. Toi, tu sais juste que tu dépends de façon vitale de cet être. Donc, la notion de lien, la notion d'attachement, qui donc forcément rentre dans l'affect et donc dans l'amour, eh ben, elle est forcément associée à ce qui se passe. Si tu as des parents qui te tabassent dès le départ, pour toi, l'amour, c'est du tabassage. Et c'est le cas. Et c'est juste logique, en fait, de penser ça. Parce que quand tu grandis dans des familles maltraitantes, c'est littéralement ce signe-là qui te fait sentir important dans ta famille. C'est-à-dire que moi, j'ai dû désapprendre le fait que pour me sentir aimée, il fallait des embrouilles. Genre, moi, s'il n'y avait pas des grosses disputes, des insultes, des crises, machin, j'avais l'impression que les gens ne m'aimaient pas, en fait. Et c'était quelque chose que j'ai dû apprendre en thérapie très jeune. Donc revenons au bébé de base. Donc, quand il n'y a pas de différenciation entre le dedans et le dehors, l'affect, l'amour, il est interprété en fonction de ce qu'il y a. Et donc si ce qu'il y a, c'est quelque chose d'épanouissant, qui protège l'enfant, son empathie, son bien-être, son intégrité, eh ben, il va associer l'amour et donc l'affect et donc la capacité d'entrer en lien avec les autres d'une façon beaucoup plus saine que si on fait l'association dans sa tête de l'amour avec la violence, avec les insultes, avec les crises, avec la jalousie, avec l'isolement, etc. Bref, donc déjà il y a ce rapport entre le dedans et le dehors qui est très fusionnel et qui est indifférencié quand on est tout petit. Ensuite, on commence à réaliser qu'on est une personne à part entière et donc on commence à se rendre compte que bah, en fait, on a le droit d'avoir des goûts personnels, on a le droit de ne pas être d'accord avec ses parents, on a le droit en fait, de vouloir d'autres choses que ce qu'ils ont prévu pour nous, etc. Et donc pareil, il bah, y a des parents qui vont donner des outils et des ressources à leurs enfants pour qu'ils puissent se construire, eux, comme des êtres à part entière, et t'en as d'autres qui ne captent pas ça, parce que pour eux, un enfant, tant que c'est un enfant, c'est leur possession, c'est leur propriété. D'ailleurs, même une fois que t'es plus un enfant, ils continuent de considérer que t'es leur propriété. Et ces parents-là, du coup, ne donnent pas des ressources à ces enfants-là pour justement s'autonomiser, puisque le but dans ces familles-là, c'est d'exploiter l'enfant, ou en tout cas de le maintenir en vie pour pas avoir de problème. Mais ces familles-là, clairement, n'en ont absolument rien à faire de savoir si bah, l'enfant en question a un discours intérieur négatif ou positif. Et ça, tu le vois déjà à 7 ans. Tu vois la différence entre les enfants qui font des erreurs et qui se disent « Oh, c'est pas grave, je vais recommencer et ça ira mieux », et ceux qui font une erreur et qui s'effondrent et qui sont convaincus qu'ils vont se faire allumer en rentrant à la maison, ceux qui se mettent à trembler quand ils font une mini faute parce que si papa le sait ou maman le sait, ça va être la fin de la terre. Bref, donc ça vraiment, ça commence déjà là. Alors tu vas me dire quel est le lien entre les discriminations sociales, l'amour, l'empathie, les enfants, tout ça machin? Bah, tout simplement parce qu'en fait il faut pas s'étonner quand on voit la façon dont sont traités les enfants en général, d'avoir du coup des discriminations sociales atroces autour de nous, sachant qu'elles découlent littéralement du fait que des groupes dominants considèrent que des groupes dominés ne font pas du tout partie de l'espèce humaine au même titre qu'eux. C'est bien pour ça qu'ils se permettent de faire des politiques pour nous violenter, restreindre nos droits, atteindre littéralement nos corps, nos revenus, nos logements, notre droit à vivre littéralement. Et s'il y a des groupes humains qui se permettent de faire ça à d'autres, c'est bien parce qu'il manque un élément basique dans leur réflexion, qui est la capacité d'avoir de l'empathie pour des gens qui ne correspondent pas à leur vision de ce qu'est un être humain digne. Et c'est bien ça la différence entre la pensée de gauche ou la pensée de droite, c'est que la pensée de droite raisonne qu'en fonction de ses critères à elle. Donc les gens de droite, effectivement,
veulent la sécurité, le bien et la prospérité, bien sûr, mais que des gens qui leur ressemblent, alors que les gens de gauche ont bien compris qu'il n'y a pas de libération si tout le monde n'est pas libéré de ces processus d'altérisation, de discrimination et littéralement de nécropolitique, puisque ça implique de monter des politiques sociales qui mènent à la mort massive de gens que la droite ne souhaite pas voir exister. Pour en revenir aux enfants, les enfants donc apprennent à devenir discriminants, apprennent à développer une empathie à géométrie variable. Et nous sommes responsables, nous les adultes, de ça, parce qu'ils nous voient faire. Donc on leur apprend à être moins empathiques, ce qui forcément va diminuer leur capacité d'entrer en interaction et de créer du lien avec autrui, parce que si t'as moins d'empathie, t'as moins de chances de pouvoir te reconnaître en l'autre et de pouvoir avoir une relation réciproque tout simplement, puisque l'idée c'est de se dire « Oh, je me reconnais en cette personne, j'ai envie de participer à combler ses besoins, et elle comblera les miens, ça créera une relation dans laquelle les deux mutuellement nous allons prendre soin de nos humanités respectives. » Pour pouvoir faire ça, il faut de l'empathie, et si on est en train de leur dire qu'elle n'est réservée que à certaines personnes ou que dans certains contextes, on est en train de leur dire qu'en gros cette capacité d'interaction, il faut qu'elle soit diminuée. Et finalement, ce que ça fait, c'est que c'est carrément la capacité d'avoir de l'affect qui est atteinte, parce que pour pouvoir avoir des sentiments envers quelqu'un, et je parle même pas des sentiments amoureux, je dis juste avoir la sensation d'être en lien avec quelqu'un, avoir un ami, avoir une personne qui nous fait du bien, quelqu'un qui juste nous crée des émotions positives. Finalement, c'est ça l'affect, c'est d'avoir des sentiments, c'est que ces sentiments sont partagés par d'autres personnes, ça crée du lien, ça crée de la connivence, ça crée une identité commune, ça crée des souvenirs, ça crée de la joie, ça crée plein de choses en fait, et ça crée aussi beaucoup d'amour. Donc, pour pouvoir avoir de l'affect, il faut pouvoir entrer en lien avec quelqu'un. Pour pouvoir entrer en lien avec quelqu'un, il faut pouvoir se reconnaître dans ce quelqu'un. Et pour pouvoir se reconnaître dans ce quelqu'un, il faut pouvoir avoir de l'empathie. Et si l'empathie, on la détruit les 10 premières années de l'existence d'une personne, voire en plus, faut pas s'étonner d'avoir des gens qui sont littéralement illettrés émotionnellement. Et ça, c'est pas moi qui l'invente comme concept. Il y a une psychiatre très intéressante, je t'en parlerai dans la revue du livre que je ferai à son sujet. Elle s'appelle Laëlia Benoît et elle a écrit un livre qui s'appelle Infantisme. Et dans ce livre, justement, elle explique qu'en gros, on vit dans une société où la majorité des adultes sont analphabètes émotionnellement parlant au sens propre. On parle littéralement d'illettrisme émotionnel. C'est comme si on vivait dans un monde dans lequel on nous apprend à lire, à écrire, à marcher, à compter, à faire plein de choses. La palette des compétences humaines, elle est gigantesque, elle est aussi vaste que toutes les couleurs qui existent dans l'arc-en-ciel et on peut les compter en millions, je pense. Enfin, si on s'attarde sur les nuances, on est bien d'accord, parce que sinon il y a les 7 grandes couleurs, mais en réalité, le cercle chromatique est beaucoup plus vaste, c'est un spectre, donc quand tu t'attardes sur chacun de ces aspects, tu te rends compte qu'en fait il y a une myriade de nuances qui existent, de la même manière que l'être humain est capable d'une myriade de capacités différentes. Et dans ces capacités-là, il y a le fait d'être connecté à ses émotions, de pouvoir les comprendre, et de ce fait, de pouvoir comprendre celles des gens qui nous entourent. Ce que je veux dire, c'est juste qu'en fait, à la base, on est tous un enfant qui a envie d'entrer en interaction avec le monde, avec un regard magique et d'émerveillement qui est profondément ancré dans un sentiment d'amour. Parce que là, on parle d'amour pas dans le sens érotique, sexuel, conjugal, on parle d'amour juste au sens vaste. Amour avec un grand A dans le sens « j'aime ça, j'aime pas ça ». Un enfant, il va très vite dire « oui, non, plus, moins, j'aime, j'aime pas ». Et c'est vraiment juste ça, c'est l'amour, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui rentre dans ce truc qui me crée des sentiments de joie et de bien-être, en fait? Pour une raison qui m'échappe, nous, adultes, on a commencé à tortiller du cul, à se dire « Non, mais l'amour, en fait, c'est un super truc super compliqué de machin. De... En fait, il y a l'amour comme ça, puis il y a l'amour comme ça, puis y a... et puis ce que t'as avec tes amis, c'est pas vraiment de l'amour. Et puis il y a l'amour de la famille, et puis il y a l'amour du couple. Et puis en fait quand t'es dans une relation comme si, c'est plutôt tel amour. Et puis si t'es dans une relation comme ça, c'est plutôt tel autre amour. Et puis il y a des amours... Bref, on cherche midi à 14h quand la seule chose que tout le monde a besoin, et ça se voit à tous les niveaux, à toutes les échelles, dans tous les milieux, on est carencés tous de ça, en fait. Tout le monde vit dans ce truc de pourquoi on se regarde pas, pourquoi on s'entraide pas, pourquoi quand je pleure en plein milieu de la rue, il y a personne pour s'arrêter et me donner un mouchoir, pourquoi, parce qu'en fait il y a plus cette capacité d'empathie, quoi. On est vraiment en train de se dire voilà, cette personne qui est en train d'agoniser au milieu de la rue, il y a bien quelqu'un qui va la ramasser, mais c'est pas moi, qu'est-ce que je m'en fous, moi. J'ai pas d'empathie pour cette personne, je ne me reconnais pas dans cette personne, elle est tellement autre que moi que je vais juste m'en foutre, je la déshumanise.
et je n'ai aucune capacité d'amour envers cette personne. On peut juste dire que l'amour, finalement, c'est la volonté de participer au fait que quelqu'un d'autre que nous ait ses besoins comblés. En gros, si toi, tes besoins sont comblés et que ça fait que tu te sens bien, ça me fait sentir bien. Je t'aime, je veux que tes besoins soient comblés. Si tu te sens bien, je me sens bien parce que j'ai de l'empathie. En fait, justement, on revient à ce truc de... S'il n'y a pas cette capacité d'empathie, il n'y a pas du tout cette notion de vouloir que l'autre aille bien. Pourquoi on voudrait que l'autre aille bien ? Dans la pensée des fascistes, justement, c'est ça qui les met en danger. Si les autres vont bien, eux vont mal, parce que justement, ça ne marche pas. Alors que dans une pensée de gauche, c'est de se dire « je ne me sens bien que si la collectivité aussi peut bénéficier de ce bien-être, en fait ». Donc finalement, on peut dire que l'amour, c'est vraiment juste l'envie, la pulsion qui nous pousse à faire en sorte que les besoins d'une personne soient comblés purement et simplement pour son bien-être. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, un des grands rôles des institutions sociales, quelles qu'elles soient, c'est de faire croire aux gens que leurs besoins n'existent pas. Ou que c'est pas les bons besoins, qu'ils se trompent sur leurs besoins. Par exemple, une personne handicapée qui le sait, et qui le sait tôt par exemple, et qui va dire qu'elle a besoin par exemple d'autonomie, etc., la société entière va lui dire « Non, non, tu as besoin qu'on te corrige, tu as besoin qu'on te fasse des chirurgies, tu as besoin de... » Finalement, ce qui se passe avec les groupes minorisés, c'est qu'on leur empêche de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Là, je parle à grande échelle. Mais si on prend une plus petite échelle, par exemple dans une famille violente, on rend dépendants les enfants maltraités, on leur fait croire qu'ils ne seront jamais capables de survenir à leurs propres besoins, qu'ils ne sont rien sans leur famille, qu'ils ne pourront jamais partir, qu'en fait il est préférable de rester dans cette violence qui, elle, est un réel amour, plutôt que de juste se protéger, se préserver et construire sa propre vie, etc. Donc ça se joue déjà là, en fait, dans la capacité qu'on va accorder aux enfants déjà à connaître leurs besoins, à prendre en compte les besoins des gens qui les entourent, à sentir que ces besoins-là sont connectés aux leurs. Si les besoins du collectif sont comblés, ça va combler aussi les miens. Et c'est vraiment cette philosophie-là, en tout cas c'est ce que j'essaye de leur transmettre, mais quand le monde entier autour te pousse à réfléchir en mode « marche seul, c'est toi contre le monde, il n'y a que ta gueule qui compte et les gens qui te ressemblent, etc. », c'est dur, quoi. Et c'est là qu'on voit comment très vite, à nouveau, je parle d'enfants de 7 ans, il y a des petits qui ont déjà, surtout des petits garçons, qui ont déjà intériorisé le fait que l'amour, c'est de la merde, les sentiments, c'est de la merde. Moi, j'ai vraiment entendu un petit de 7 ans dire à un autre « Non mais tu vas pas pleurer quand même, c'est que les filles qui pleurent, nous on est des garçons, on est durs. » Et là, on le sait qu'ils se disent ça, mais regardez-le dans la vraie vie. Écoutez ça en vrai et rendez-vous compte de la puissance du truc. Comment le gosse là, il a déjà... C'est pas ses mots. C'est pas lui qui pense ça. Et loin de moi l'idée de retirer totalement sa part d'agentivité, juste rappelons-nous qu'on parle d'enfants en fait. Ils vont littéralement continuer de développer leur compréhension du monde encore bien 20 ans, quoi. Donc, je veux dire, si déjà là, il n'y a personne qui intervient pour dire alors en fait, c'est bien de pleurer, parce que toi, peut-être que tu as besoin de pleurer, et que si tu commences déjà à croire qu'il ne faut pas pleurer, ça veut dire que tu vas sentir des trucs de merde, ne jamais te rendre compte que ces trucs de merde, ils te font souffrir, et que probablement, du coup, ça va impacter les gens autour de toi, et donc, tu vas jamais développer une capacité, justement, d'empathie à te dire... Comment ce que je fais aux autres les atteint ? Comment ce que je vis moi-même envers moi-même me pose problème ? Et donc être dans un rapport au monde qui est purement hostile et dur et violent. Et y en a qui ont déjà compris ça si jeune et qui vont rester là-dedans parce que personne va vouloir faire le sale taf à un moment donné de retourner en arrière et de dire « écoute, non ». Et du coup ça donne quoi ? Des adultes absolument carencés, cyniques, aigri, méchant. Et si seulement ça s'arrêtait qu'à là ? Mais en fait, ça fait même des gens dangereux, quoi. Enfin, regarde les incels, par exemple. Les personnes qui savent pas ce que sont les incels, c'est l'abréviation de Involuntary Celibates. Et en gros, c'est un mouvement masculiniste de célibataires involontaires qui se plaignent justement que leur carence affective et sexuelle est due au féminisme, au fait que les femmes profitent du marché, de la misère sexuelle, etc. Bref, donc en fait, ça donne des trucs lunaires comme ce genre de merde, quoi. Et là, je prends l'exemple des incels, mais tout. Et ces gens-là, après, quand tu vas leur parler d'amour, ils vont te voir comme un enfant, ils vont te voir comme quelqu'un de naïf.
Ah, elle est chou, la petite jeune. Qu'est-ce qu'elle est naïve, qu'est-ce qu'elle est innocente. Elle va s'en rendre compte en vieillissant. Ha ha ha, elle n'a pas assez vécu de traumatismes dans sa vie, elle n'a pas assez vu à quel point le monde était merdique pour continuer de croire au mythe de l'amour. Sauf que chérie, non, le Père Noël n'existe pas, mais les liens entre êtres humains, oui. Honnêtement, c'était pas prévu dans ma vie. Mais Dieu merci, je suis atterrie là. Dieu merci, à un moment donné, j'ai commencé à côtoyer des enfants parce que honnêtement, si j'avais pas commencé à travailler avec eux, j'aurais pas compris quelque chose d'excessivement fondamental dans ma guérison. Ça fait 8 ans que j'explique ici comment je fais pour survivre, comment je souffre, comment j'essaye de surmonter les obstacles propres à ma condition et de transmettre ces outils à d'autres gens qui potentiellement vivraient la même chose. J'ai fait le tour de tout ce que je pouvais en termes de psy au départ, de développement personnel, de spiritualité. Ensuite, j'ai fait un immense voyage dans le monde politique et sociologique, et c'est toujours le cas maintenant d'ailleurs, hein, mais où j'ai essayé de comprendre les choses avec un œil tellement différent, avec un œil beaucoup plus externe, essayé de tout décortiquer pour voir d'où pouvait venir ma douleur, pourquoi est-ce que je continuais de vivre dans ce tumulte intérieur de désespoir alors que tout est là pour que j'aille bien. Depuis que je travaille avec eux, j'ai réalisé, mais c'est tout bête, hein, mais ça m'a fait une telle gifle en fait, en pleine face. J'ai découvert qu'en fait j'étais mature sur tellement d'aspects, mais que je savais juste pas du tout m'occuper de moi parce qu'en fait on m'avait jamais vraiment appris, vu que j'ai grandi dans un environnement qui n'a jamais vraiment pris soin de moi comme il fallait. Et comment je l'ai compris? Tout simplement parce qu'en fait, en commençant à côtoyer des enfants, bah, j'ai réalisé que les besoins d'un enfant de tel âge, c'est ça. À tel âge, c'est un autre. À tel âge, c'est encore un autre besoin, etc. Et donc, quand tu regardes tous ces besoins-là, c'est tout bête, hein, mais tu peux déjà te référer juste à la pyramide de Maslow, bah tu te rends compte que quand tu es un enfant maltraité, par exemple, tout ce qui concerne la capacité à tisser du lien, à interpréter les émotions des autres, la communication, les relations, ce genre de trucs, bah, y a des enfants qui finissent par développer une telle aptitude à comprendre ces choses, juste pour la survie. Hein. Ça donne littéralement des people pleasers, hein, donc des personnes qui voient les besoins des autres constamment avant les leurs, etc. À ce sujet, j'ai fait aussi une vidéo ici. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein d'enfants qui ont développé des facultés très 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 poussées sur certains aspects pour juste survivre au chaos auquel leur vie. Et ils se retrouvent à l'âge adulte à ne juste pas savoir des trucs super basiques, comme par exemple savoir quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a sommeil, quand est-ce qu'on a besoin de repos, quand est-ce qu'on a besoin d'être seul, quand est-ce qu'on a besoin d'échanger, quand est-ce qu'on a besoin d'être dans l'introspection. Finalement, ces besoins-là que je suis en train d'énumérer, c'est littéralement ce que je suis censée faire en théorie dans mon travail, c'est-à-dire sur le papier, c'est ce que je dois faire. Je dois rendre ces enfants autonomes et leur expliquer comment combler leurs propres besoins. Et j'ai découvert en étant avec eux que je faisais pas du tout ça pour moi. Et qu'en fait, la majorité des adultes autour de moi ne font pas ça pour eux. La majorité des adultes, on ne sait rien de nos limites. On imagine qu'on les connaît, mais en fait, elles sont tout le temps dépassées, et puis du coup, ça nous fait des sensations de merde. Du coup, après, on accuse tout le monde de pourquoi on n'est pas bien, alors qu'en fait, finalement, on n'est pas du tout armés, nous-mêmes, pour créer cette bulle de care et de safitude absolue qui ne dépend que de nous. C'est un privilège absolu que de donner ces outils-là à un être humain tôt dans sa vie, pour qu'il ait les armes pour construire sa propre maison intérieure, quoi. Qui se disent, ok, j'ai décidé maintenant que ma maison dedans, elle ressemblait à ça, et je laisse rentrer telle personne, et il y aura telle règle, et si des gens font ça avec moi, et bah du coup je les fais sortir de ma maison. En fait, ça, c'est des outils qu'on doit leur donner pour qu'ils puissent se construire, pour que justement ils évitent de vivre la détresse humaine telle qu'on la connaît, quoi. Parce que oui, il y a les structures qui fonctionnent quoi qu'il arrive, donc bon, même si on fait des efforts, peut-être qu'on va quand même vivre de la violence, mais il n'y a pas que les structures, il y a aussi ce que nous, on va tolérer ou pas dans notre vie, quoi. Moi, j'ai dû attendre d'avoir passé la vingtaine et de m'être intéressée au féminisme pour réaliser que ce que je tolérais dans mes relations avec les hommes était inacceptable. Est-ce que ça veut dire qu'une partie des violences que j'ai vécues dans la sphère misogyne sont de mon fait? Non. Par contre, il est vrai que, effectivement, le fait que je n'ai aucune limite, le fait que je suis incapable d'évaluer moi-même ce qui est bon pour moi ou pas, oui, ça permet que ce genre d'atrocité arrive. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il y a beaucoup de temps, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. Comment elle s'appelle déjà? Je crois que ça s'appelle Il faut qu'on parle ou un truc comme ça, où vraiment, genre, j'essaye de mettre le doigt sur ce truc de... On est certes victime des discriminations sociales, mais par contre, on n'est pas complètement dénué
de capacité d'agir face à ça. Pour que les violences puissent survenir, il faut que la personne que l'on cherche à violenter ne puisse pas se défendre. Si elle a les outils pour se défendre, la violence ne peut pas survenir. Donc, un des grands piliers sur lequel reposent les discriminations en général, c'est aussi sur l'incapacité des groupes dominés à pouvoir déjà comprendre qu'ils sont dominés, à pouvoir s'armer contre cette domination, et surtout, pour pouvoir le faire, à déjà avoir de l'amour propre. Comment on va défendre notre condition si déjà on considère qu'on est une merde ? Donc ouais, il y a un vrai truc politique et très radical dans cette idée de self-love qui souvent peut être tournée en dérision, parfois à juste titre, parfois pas, mais c'est vrai que dans les milieux militants, tout ça, on a tendance à se dire « Ouais, mais non, les trucs de care, des persos, tout ça, machin, c'est dépolitisé, c'est même fascisant, parce qu'on peut utiliser très bien des concepts qui concernent les individus, qui touchent justement à la psychologie, à la spiritualité, ce genre de choses. On peut effectivement utiliser ces outils-là, et c'est utilisé dans ce but-là, malheureusement, à des fins discriminantes, mais si on les resitue dans un contexte de collectif, c'est-à-dire de transmettre ces outils à la masse, pour la masse, et non pas à des petites catégories de gens très précis réservées à une certaine élite, et ben ça crée un changement profond. Je crois que c'était Audre Lorde qui écrivait aussi sur le self-care, sur le fait de... Je l'ai pas lu non plus, donc je suis vraiment désolée, je retranscris très mal sa pensée. Hein. Mais en gros, c'est une militante afroféministe qui dit que la révolution, ça commence déjà dans la façon dont elle se traite, quoi. Parce que le monde entier lui fait comprendre qu'elle n'a ni besoin, ni le droit de s'occuper d'elle-même comme d'un être humain à part entière. Eh ben oui, ben, c'est vrai que si les gens ne savent pas qu'ils souffrent, c'est vrai que si les gens ne savent pas qu'ils sont handicapés, c'est vrai que si les gens ne savent pas qu'ils sont mis dans une situation de pauvreté de façon arbitraire, etc., bah ben, c'est vrai que ben, s'ils savent pas tout ça, ils ont pas de raison de se défendre, quoi. Les gens partent du principe que c'est comme ça pour tout le monde, que la vie c'est dur, et que on va continuer de se battre pour le peu que nous on a, et puis si c'est dur pour les autres, bah ben, tant pis, ils avaient qu'à faire des efforts comme nous. Voilà. Et évidemment, ça va être beaucoup plus simple de s'attaquer à la petite souris qu'à l'éléphant, quoi, dans la pièce. Je vais mal pas parce que le monde entier qui m'entoure m'a rendu comme ça. Non, non, je vais mal parce que Fatima, ma femme de ménage sans papier, vole mon argent. Voilà. C'est dans l'intérêt des dominants, en fait, que l'on soit pas capable déjà de voir la domination, ensuite de trouver qu'elle est injuste. Parce qu'il y a des gens qui la voient mais qui considèrent qu'elle a sa place. Hein. Donc il faut la voir, il faut voir que c'est un problème. Et ensuite il faut se dire, tiens, ce problème peut se régler. Et ensuite il faut se dire, bah, je veux participer à ce qui se règle. Puis après il faut se dire, bah, du coup je vais me joindre à des gens qui vont participer à ce qui se règle. Et après il faut tenir bon dans tous les échecs que ça représente que d'essayer de régler ces problèmes, etc. Enfin je veux dire, c'est vraiment dur. Et ça, bah, pareil, ça s'observe à une échelle individuelle. Un parent maltraitant, bah, c'est dans son intérêt que son enfant ne parle pas à d'autres enfants qui pourraient éventuellement lui faire comprendre que ce qu'il vit, c'est pas normal. C'est dans l'intérêt du parent violent que l'enfant pense qu'il n'a pas de droit. C'est dans l'intérêt du parent violent que l'enfant soit convaincu qu'il ne mérite pas d'amour. Comme ça, bah, toute son existence tourne autour du fait de servir son parent, parce que ça arrange le parent d'avoir un genre d'outil à disposition et non pas un être humain... qu'il faut faire grandir et rendre autonome. Désolée, ma caméra s'est déchargée, du coup je termine la vidéo avec mon téléphone. Mais tout ça pour dire que je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à voir ces liens entre ce qui se passe dans une maison, ce qui se passe dans une relation de couple, ce qui se passe dans un rapport entre deux personnes en termes de domination, de prise de pouvoir, etc. Et d'essayer de faire vraiment le lien, mais vraiment, pas juste un parallèle douteux comme ça, un raccourci, mais essayer de voir comment chaque petite étape de ce genre d'interaction grandit et nous mène à la situation que l'on a actuellement et de comprendre en réalité que, ouais, aussi bateau, bisounoursique, naïf et délirant que ça puisse paraître, eh ben, parler d'amour, parler de la relation qu'on a avec soi, essayer de remettre de l'enchantement dans nos rapports, de refaire vivre en fait ces enfants intérieurs qui sont complètement enterrés sous une montagne de cynisme, et ben ça c'est important qu'on fasse revivre ça, qu'on récupère ce truc qu'on nous a retiré, parce qu'en fait c'est pas perdu, c'est pas mort, on nous a juste fait croire que c'était comme le Père Noël, qu'il fallait qu'on abandonne ça, alors que non.
Pas du tout. Voilà pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura pu te plaire. J'espère qu'elle t'a intéressée. J'espère que tu iras voir celle que j'ai fait les précédentes années parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup parlé de ce sujet sur ma chaîne sous plein d'angles différents et tout. Merci encore une fois à Dreams d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je te rappelle du coup qu'il y a 40% de réduction sur tout leur site ainsi que la livraison offerte. Tu trouveras tout dans la description si ça t'intéresse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort et qu'en plus de ça, je le pense vraiment.